Quelqu'un a déchiffré le code d'espion d'Edison. Tesla savait-il que des saboteurs étaient à bord ? Arme créée par Warden Cliff, bien sûr. J'imagine que cette brume bleue est la raison de la quarantaine. L'exo, si je me souviens bien. Mm-hmm.
pas passer loin. Aubrey ! Qu'est-ce que c'était que ça ? Ça, ma chère, c'était une des anomalies temporelles. Cette chose a un lien avec le temps. Comment je suis censée comprendre ça ? Voyez le temps comme un système biologique. Ces choses sont simplement des anticorps qui nettoient les saletés, à savoir nous. Mais comment vous savez ça ? Comment vous saviez qu'il fallait fermer la porte ? Eh bien, ils ne sont pas très subtils. Là où va l'énergie exotique, ils la suivent. Pas si dur à manipuler quand on sait ce qu'on fait. Ça fait 3 fois que vous me sauvez. Merci, Aubrey. Donc, savez-vous où votre sœur est coincée dans les labos de biologie ? Ouais. Elle est au bloc opératoire. C'est près d'ici ? Oui ! Vous êtes tout près ! J'ouvre toutes les portes que je peux pour que vous y accédiez. Il y a une salle d'observation juste au-dessus du bloc. Vous devriez la voir de là-haut. Bref, allez donc saluer votre sœur. La voie devrait être libre. J'y vais, Aubrey. Merci encore.
Expérimentation animale, contrôle de la météo, manipulation temporelle. Est-ce qu'il y a une étude qui n'était pas menée ici ? Et ton vocabulaire. Rose ! Oh mon Dieu ! Ma grande sœur est là ! Ma grande sœur est là ! Oui, en effet. Et nous deux, ma chère sœur, nous fichons le camp d'ici. Alors, comment je te rejoins ? Il y a une porte sur ta droite, un petit couloir, des escaliers, tu ne peux pas les rater. Je descends tout de suite. Ada ? Je n'ai rien fait du tout. Ada ! Sors ! Sors tout de suite ! Je peux pas. Rose, je peux pas. Rose, écoute-moi. C'est bon. Vraiment, ça va aller. Tu es là pour moi. Et pour ça, je t'aimerai pour toujours. Mais tu dois faire quelque chose pour moi. Trouve mes recherches, Rose. Sauve-les. Va au théâtre et trouve le deuxième carnet. Réunis, il renferme la clé de tout. Tu peux tout régler. Promets-le-moi, Rose. Promets-le. Pas comme ça. Promets-le-moi, Rose. Non. Ada. Non. Je te le promets. Je te le promets. Rose ! Rose, vous êtes là ? Rose, répondez ! Allez, Rose ! Répondez-moi ! Rose ! Laissez-moi, Aubrey. C'est maintenant ou jamais, Rose. Ils arrivent. Je suis à court de porte à fermer. Je m'en moque. Elle est partie, Aubrey. C'était trop tard. Elle est partie. Je sais, mais vous avez fait une promesse, Rose, parole de scout et tout ça. Si vous ne partez pas de suite, ils vous auront aussi. Une promesse. Allez, levez-vous et partez. La porte de gauche, allez-y. Continuez jusqu'au département de physique. Une fois que vous m'aurez sorti d'ici... Je ne vais pas à la salle des machines, Aubrey. Mais vous aviez dit... Vous avez promis... Je sais, Aubrey, je sais. Et je tiendrai ma promesse. Mais ma sœur m'a demandé de faire une dernière chose pour elle. C'est ce que je dois faire en premier.
La famille d'abord. Je comprends. Où devez-vous aller ? Au théâtre. Comment je fais ? Essayez d'ouvrir la porte du département de physique pendant que je cherche comment vous mener au théâtre. Je reviens de suite. Hé, hey, ça a été rédigé par Ada. Je crois que j'ai une solution, Rose. Vous êtes là ? Oui, je suis là. Il y a un truc qui brûle maintenant. Ah oui. Ce doit être le noyau du réacteur. C'est l'épicentre, là où tout a commencé. Il se trouve que le feu qu'on a allumé ne s'est jamais éteint. Cela fait 10 jours qu'il consume l'héliose de l'intérieur. Ne respirez pas la fumée. C'est fortement déconseillé. Plus facile à dire qu'à faire... Vous avez trouvé comment m'amener au théâtre ? Oui, mais ça ne va pas vous plaire. Très bien. Dites-moi tout. Vous voyez d'où sortent la fumée et le feu ? Eh bien, on va vous faire passer en plein milieu de ça. Je déteste cet endroit. Après, c'est encore pire. Le noyau du réacteur est protégé par un bouclier, alors le récepteur ne fonctionnera plus quand vous serez en bas. Vous allez devoir traverser les flammes toute seule. Je vais surveiller la propagation de l'énergie exotique derrière vous pour voir si je peux la contenir. On se reparle de l'autre côté. Ok. Un conseil de dernière minute ? Ne brûlez pas.
Ada? Ma grande sœur est là. Être à ses côtés pendant qu'il résout des équations en quelques secondes, alors que d'autres s'y cassaient les dents depuis des semaines. On pouvait presque entendre son esprit fonctionner, Benny. On pouvait l'entendre comme une force de la nature. Aubrey. Et je vais te dire... Aubrey. Attendez un peu. Aubrey. Rosie, vous revoici. Génial. J'étais justement en train de dire à Benny... Le théâtre, Aubrey. Comment j'y vais? Vous avez parlé d'un ascenseur? Bien sûr. Il est juste devant. Je vous l'envoie de suite. Et puis, pourquoi vous devez aller là-bas? Je dois trouver un carnet. Rose, je ne peux pas imaginer l'étendue de votre chagrin, et vous avez toute ma sympathie. Mais je vous ai déjà sauvé la vie quelques fois, alors je crois que je mérite de savoir de quoi il retourne. Vous avez raison, Aubrey. Je suis désolée. Je cherche un carnet que ma sœur a caché quelque part dans le théâtre. Il contient ses dernières recherches, et je lui ai promis d'en prendre soin. Tout le navire... reconnaissait son génie, y compris Nicolas. Et maintenant, elle a disparu. L'ascenseur est arrivé, Rose. C'est quand vous voulez. Avez-vous la moindre idée de l'endroit où ce carnet est caché? Le théâtre est assez grand, vous savez. Hélas, non. Il est aussi grand que ça, vraiment? Oh. C'est juste le hall d'entrée. Attendez de voir l'auditorium. Je vous laisse chercher pendant que je règle des problèmes sur les appareils météorologiques. On se reparle plus tard, d'accord? Bien sûr. Il se peut que ça prenne un moment. Je suis vraiment désolé. Les améliorations de la tour m'ont retenu plus longtemps que prévu. J'espère que je ne vous ai pas trop fait attendre. Pas du tout, monsieur. Je ne suis pas encore bien habituée à évoluer sur l'Hélios. Il y a tant d'étages et de choses à voir. En effet. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin, ma chère. Le grand théâtre de l'Hélios. Je vous en prie. Ah, oh, merci. Voici, mademoiselle Archer, le grand théâtre de l'Hélios. Waouh!
Je suis heureux que ça vous plaise. Cette année, nous allons accueillir des artistes formidables. Et si vous regardez attentivement, là-haut, c'est votre balcon privé, d'où vous pourrez tous les regarder. C'était moi qui utilisais ce balcon, mais j'insiste pour vous l'offrir comme cadeau de bienvenue et de remerciement pour vos recherches. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Eh bien, c'est le moins que je puisse faire. Et appelez-moi Nicolas, je vous en prie. Merci. Mais que vont dire les gens ? Est-ce que ça ne va pas faire jaser ? Que je m'installe sur votre balcon ? Ce n'est pas le mien. Plus maintenant. Et il y aura toujours des ragots qui ne m'intéressent en rien. Venez, je vais vous montrer la vue. Avec plaisir. Un balcon privé ? Est-ce que c'est là que tu aurais caché tes recherches, Ada ? J'ai toujours voulu la voir jouer. Et de là, il ne restait plus qu'à le construire. Mais assez parlé de moi, qu'en est-il de vous, Ada ? De votre famille ? Vous avez une sœur, si je me souviens bien. Oui, Rose, Rose Archer. Et si vous me trouvez têtue, attendez de la rencontrer. Que fait-elle ? Elle est journaliste. Ah oui ? Est-elle douée ? C'est la meilleure. Tout doux.
Ah, nous y voici. J'espère que cela vous procurera beaucoup de joie pendant votre séjour à bord. C'est magnifique. Je ne sais comment vous remercier. Oubliez ça, ma chère, et continuez à étudier vos théories. Ce sera un digne remerciement. Je crois vraiment que vous touchez à quelque chose de révolutionnaire, Adam. Il ne manque que l'étincelle finale. J'espère que l'Hélios nous fournira les ressources nécessaires pour la trouver. Parce que, quand ce sera le cas, nous aurons changé le monde pour toujours. Au changement du monde. Au changement du monde. Pas ici. Pas ici. Pendant que je traverse un autre département de recherche. Je te donne un indice, il a un rôle central. C'est tout ? Tu vas me laisser trouver le reste toute seule ? Amuse-toi bien. Un rôle central. Bon sang, Ada, je te suis, ma grande.
Je ne comprends toujours pas les visions d'Ada ou comment la radio a pu jouer notre ancienne conversation. C'est comme si elle était encore là, à ouvrir la voie pour moi. Très bien, un rôle central. Comment je monte là-dessus ? Le grand Fabrier. Sympa la moustache. Ok, si j'étais un projet de recherche super secret, où est-ce que je me cacherais ? Rose. Tu te souviens de moi, Rose? Tu te souviens de ce que tu as fait? Je t'ai vu au bal masqué, Rose. Tout est ta faute. Il est passé.
Rose! Résignez-vous! Notre souffrance collective se termine aujourd'hui! Où diable étiez-vous? J'aurais vraiment eu besoin de vous il y a 5 minutes. Vous avez trouvé le carnet, n'est-ce pas? Je parie que oui! Hein? Hein? Oui, Aubrey. J'ai le carnet. Et puis je suis tombée sur Ludwig. Oh non! Vous allez bien? Je vais bien, Aubrey. Et heureusement, Ludwig a pris du feu plein la tête. Donc ça nous fait un problème en moins. Waouh! Les bonnes nouvelles s'enchaînent! Quoi d'autre? La mauvaise nouvelle, je suis perdue. Je crois qu'il y a un ascenseur ici, mais je n'en suis pas sûre. Il fait trop sombre. Ah! Aucun problème! Surveillez les ampoules autour de vous et dites-moi quand elles clignotent. D'accord? D'accord. Toujours rien? Non, rien. Attendez! Maintenant, Aubrey! Maintenant! Oh! C'est le pont 66. Prochain point à l'ordre du jour, vous amenez à l'ascenseur. Formidable, Aubrey. Merci encore pour tout. Je viens tenir ma promesse. Vous n'imaginez pas à quel point ça me fait plaisir. Oh, attendez, je m'occupe des portes. Oh, bordel de Dieu. Qu'y a-t-il? C'est... Oh, dégoûtant.
Il y a le corps d'un homme crucifié dans l'ascenseur. Vous pourriez m'envoyer un autre ascenseur? Je préférerais éviter. C'est le seul ascenseur, Rose. Je déteste cet endroit. Je déteste tellement cet endroit. Inspirez. Expirez. Merci de faire ça, Rose. Ouais. Quelque chose à vous avouer. Ah ? Je vous ai dit que j'avais une famille. Mais ce n'est pas le cas, c'était un mensonge. Je suis un menteur, Rose. Je suis désolé. C'est bon, Aubrey. Je suis heureux de l'entendre. Parce que je crains qu'il vous reste pas mal de travail avant d'arriver de mon côté de la salle des machines. Évidemment. Quelle surprise. Où dois-je aller? Allez à la salle des machines locales. Vous allez devoir trouver un chemin vers l'autre côté. Merde! Il coupe la puissance du lit! Bon, Rose, je dois régler ça. Je reviens dans une seconde. Ne vous... Ne vous quoi? Aubrey? Aubrey? Génial.
Rose ? Aubrey, vous pouvez faire quelque chose par rapport aux coupures de courant ? Je croyais que vous vous en chargiez. Eh bien, il y a un petit souci avec la... avec la grande bobine de distribution électromagnétique. On dirait qu'elle... pulse ! Ouais, ça ne me parle pas beaucoup, Aubrey. Soyez plus clair. Rose, nous récoltons de l'électricité sur le temps lui-même. C'est carrément compliqué, d'accord ? Essayez d'avancer et de ne pas mourir. Oh, super plan, Aubrey. Votre meilleur jusqu'ici. Tu entends ça, Benny ? Rose fait de l'esprit.
Vous êtes là, Rose? Ouais, je suis toujours là, Aubrey. J'ai traversé la salle des machines. Et maintenant? Droit devant, c'est le contrôle de l'hydraulique et de la pression. La bobine de distribution fait surchauffer les cuves de stockage. Alors, vous allez devoir réduire la pression pour pouvoir ouvrir les portes de sécurité. Trouvez les vannes, Rose. En les ouvrant, vous devriez faire baisser la pression. Ok. Trouvez les vannes pour réduire la pression. Compris. Vous assurez, Rose. Vous y êtes presque. Ok. À tout de suite. Nicolas va... Aubrey? Le héros du jour... Aubrey mais... Votre... Le... Votre radio! Aubrey? Thank you.
Mérité, Penny. Bien mérité. Aubrey ? Des années de... Aubrey ! Thank you.
Vous avez réussi, Rose. Mes capteurs sont tous au vert ici. Les portes de sécurité devraient être ouvertes. Un dernier obstacle à franchir et nous pourrons ficher le camp de ce bateau. Très bien. Un dernier obstacle. Qu'est-ce qui m'attend ? Alors, vous vous souvenez de cette bobine de distribution électromagnétique géante qui ne fonctionnait pas bien ? C'est... Vous savez quoi ? Certaines choses doivent être vues. Venez ! Bobine de distribution électromagnétique géante. Bof, je préfère l'appeler Fred. Oh, merde. Ne vous inquiétez pas, vous êtes à l'abri ici. Tant que vous ne vous exposez pas directement à l'onde de choc, ça devrait aller. Ah, c'est bon à savoir. Vous devriez pouvoir me voir. Je suis dans le grand bâtiment, à votre droite. Est-ce que vous me voyez derrière la fenêtre, Rose ? Bref. Vous voyez ce bâtiment en feu un peu plus loin ? C'est là que vous allez trouver la commande de désactivation d'urgence. Attendez. Tout là-bas ? À l'autre bout ? Ouais. Vous voulez que je sprinte jusque là-bas pendant que l'électro-machin-truc fait frire tout cet endroit ? Ouais. D'ailleurs, je me disais à ce sujet, si ça vous va, je vais ouvrir la porte à gauche et aller me cacher dans un coin pendant un moment, ok ? Bien sûr. J'ai pas vraiment envie que vous me criez dans l'oreille, de toute façon. Thank you.
Comment je pourrais le savoir? J'ai tiré ce foutu levier, ça a marché? Juste un moment. Je crois que vous avez réussi, Rose. Oh, Dieu merci. Je n'arrive pas à y croire, vous avez réussi. Wouhou! Je vais vivre. Vous êtes impayable, Aubrey. Et si on fichait le camp de ce maudit Rafio? Plutôt deux fois qu'une. Prenez les passerelles en métal sur votre gauche. Elles devraient vous mener jusqu'ici au centre de contrôle. Je sais que je vous ai déjà dit merci. Mais ça va être bien de pouvoir enfin le faire en personne. J'arrive, Aubrey. À tout de suite. J'espère qu'Aubrey est au courant d'une autre sortie. Je n'ai pas vraiment envie de repasser par là. Aubrey ? Où êtes-vous, Aubrey? Allons-y!
Allez, quoi, Aubrey ! Partons d'ici ! Aubrey ? Salut, Rosie. J'ai essayé de vous prévenir. J'ai vraiment essayé. Je suis un menteur, Rose. J'ai tout entendu. Chaque mot depuis que vous êtes à bord. De votre première conversation avec Ada, au dernier mot qu'elle a prononcé. J'ai même écouté votre conversation avec Nicolas. Aubrey, qu'est-ce que... Ce n'était pas le confinement de Tesla qui brouillait les communications avec votre sœur. Un autre mensonge. C'était moi. Pourquoi ? Parce qu'elle m'a tout pris ! J'avais tout ! J'avais son attention! J'avais son respect! Mais... elle a tout pris! J'étais quelqu'un à bord de ce bateau. Mais maintenant... l'heure est venue de reprendre. À commencer par ses carnets. Si vous faites ça, je vous tuerai. C'est une promesse, Rosie? Parole de scout. C'est mignon. Vous oubliez que, comme j'ai guidé l'énergie exotique jusqu'à votre sœur, je peux la guider jusqu'à vous. Ici même, vous devriez vous hâter. Ces choses seront là d'une minute à l'autre. Benny vous tiendra compagnie pendant que vous mourrez. Quant à moi, je vais les utiliser pour sauver la mise et reprendre ce qui m'appartenait. Inspirez. Thank you.
fermez les yeux. Ça va aller. Ils sont partis. Ça va aller. Adam avait averti de la ténacité de sa sœur. Comme toujours, j'aurais dû écouter. Je ne prévoyais pas que vous pourriez traverser la moitié de l'Hélios en dépit de mes efforts pour vous en empêcher. Et à cause de cet échec, de mon échec, nous avons perdu Ada. Aubrey a ouvert des portes qui ont permis à la contamination de s'étendre. Il est en route pour la tour, d'où il va essayer d'utiliser les recherches de votre sœur pour refermer la faille. Mais je crains qu'il ne saisisse pas toute l'immensité du travail de Ada, et qu'il n'aggrave encore une situation déjà mauvaise. Je suis donc en route pour essayer de réparer ça, et au passage remettre la main sur les recherches de Ada. Je vous dirais volontiers de rester où vous êtes, plus ou moins en sécurité, et de vous reposer, mais je suis presque sûr que vous n'en ferez rien. C'est clair. Nous n'avons pas pu sauver Ada. Mais il n'est pas trop tard pour sauver son héritage. Je vous recontacterai. J'ai promis à Ada que je récupérerais ses recherches, et je l'ai fait. J'ai promis à Aubrey que je le libérerais, et je l'ai fait. Qu'est-ce que j'y ai gagné de mon côté? Une côte brisée et une commotion. J'ai promis à Aubrey que je le tuerais. Voyons voir ce que ça donne. Bloc opératoire. Quoi? Elle est plus là. Réunis, il renferme la clé de tout. Tu peux tout régler. Promets-le-moi, Rose. Promets-le. Pas comme ça. Promets-moi, Rose. Est-ce que c'est moi ?
Mais oui, c'est moi, en train de transporter Ada. Comment est-ce possible? Comment ai-je pu me retrouver dans le passé? En embarquant sur les lieux, je ne savais pas ce qui allait se passer. Je savais juste que mes recherches pourraient changer le monde. Et c'est ce que nous avons fait. Mais pas vraiment comme je l'imaginais. Pas encore. Je reviendrai pour toi. Ça va marcher, Ada. Je le promets. Tu as raison, Ada. Tout ceci n'a aucun sens. Que signifient ces flashs? Est-ce le passé, le présent ou le futur? Et à quel moment est-ce que je l'ai transporté? Tant de questions. Malgré tout, je vais tenir ma promesse. Je vais récupérer tes recherches, en espérant qu'elles contiennent des réponses. Rose, comment vont vos blessures? J'ai bien peur d'être un piètre médecin, mais j'ai fait mon possible. Je vais bien. Si c'est là une tentative un peu lâche de m'empêcher de récupérer les recherches d'Ada, revoyez votre copie. Au contraire, je compte bien sur votre aide. Tout comme Ada. Comment ça, tout comme Ada? Ada n'est plus là. Ada est morte, mais elle n'a pas disparu. Ses recherches sur les dimensions temporelles multiples et l'exposition à la faille ont changé les choses. De façon irréversible, elle a déclenché une série d'événements que je suis moi-même encore en train d'essayer de comprendre. Mais ses recherches renferment la clé de tout ça. C'est ce qu'elle a dit. Je veux juste que vous m'aidiez à retrouver les carnets. Et je le ferai. Nous allons nous coordonner sur la façon de gérer Aubrey une fois que vous aurez atteint la tour. Tesla terminé. Ah, le générateur ne reste allumé que pour une petite durée. Très bien, je vais être plus rapide.
stopper la quarantaine. Enfin quelqu'un de sensé. D'accord. Voyons voir si je peux trouver la station du monorail pour atteindre la tour.